Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui un tuto sur comment se défendre et comment aborder une situation lorsqu'on est attaqué ou par quelqu'un ou agressé. Voilà, donc la première chose, c'est de se mettre en état de défense. Il y a plusieurs états de défense, il y a celui-là qui se décline de l'autre côté. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Qui peut se décliner aussi, comme ça. On repousse l'adversaire. On repousse l'adversaire. On repousse l'adversaire. Et puis qui peut se développer aussi d'une troisième façon, plus martiale. C'est ok, l'adversaire arrive, il faut se défendre. Comme ça. On a cette possibilité-là. Cette possibilité-là. Cette possibilité-là. Alors cette possibilité nous permet de nous défendre ici. Et ici, c'est-à-dire les organes vitaux et la tête. On change de côté, les organes vitaux et la tête. Donc il est très 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 pratique. Donc on est inatteignable. Ensuite, si vraiment il y a de l'action, on peut quand même mettre les poings. Et dans ces cas-là, ça peut aussi servir pour mettre un punch, de l'autre côté pour mettre un punch. Donc on a toujours un en défense et un en attaque, à peu près. Hein. Ensuite, on peut travailler cet exercice-là, où on va commencer comme ça. Comme ça. Défense. Attaque. Ensuite, je vais vous montrer un autre exercice qui s'appelle la menthe religieuse et qui est redoutable lorsqu'on est paraplégique ou en fauteuil roulant, c'est celui-là. Donc il se décline de plusieurs façons. Là, celui-là, on peut mettre des coups de coude. On peut mettre des coups de coude, ça fait mal. On peut vraiment se défendre. Ensuite, il y a celui-là, le décliner comme ça. Donc il permet quand même d'avoir une attitude comme ça. Vous voyez? Et puis une attitude aussi comme ça. On peut vraiment donner les coups comme ça. En bas aussi, si quelqu'un vous prend, il t'en prend ici, et puis surtout aussi derrière. Le coup de droit et le coup gauche. Voilà. Là, celui-là, il est vraiment redoutable. Donc, si on se met comme ça, donc on attaque. On va vraiment qu'il y a un petit problème. On se met comme ça, on fait comme ça. On peut attaquer comme ça en gardant une défense. Et puis, si jamais il rentre, bam, on repasse comme ça. On tape du côté, on tape là, on se défend là comme ça. Là, si c'est à gauche, et s'il y a deux adversaires en même temps, on peut faire comme ça, développer pareil. Il est vraiment redoutable. Ensuite, il y a une autre défense qu'on peut utiliser, ben, le fauteuil, tout simplement. Donc si quelqu'un attrape ici, on le prend, on fait comme ça, on tape. On profite du fait qu'il y ait quelque chose de rigide ici pour taper dessus. S'il coince la main, là, il n'y a aucun problème. Ensuite, on peut utiliser le fauteuil aussi pour donner des coups. Donc déplacer comme ça. Je pense qu'un coup de fauteuil, ça fait pas du bien. Et une dernière chose aussi, c'est donc si quelqu'un nous prend par l'arrière, donc là on n'a pas trop le choix. Il y a une parade, il vous prend ici, par l'arrière, vous basculez en avant. Et là, vous pouvez donner un petit coup, comme ça, ou comme ça. Allez, je vous prends comme ça, on imagine. Hop, comme ça, on se bascule en avant, et puis on tape. Le tout, c'est de s'échapper, vous voyez? Donc là déjà, on a une attitude quand même sur le côté, derrière, devant, en haut, en bas. On est quand même, protégé. Donc première chose, c'est la défense. Voilà, comme ça. La montre religieuse. Et puis après, on se défend. Et puis on bascule vers l'avant. Voilà. Après, bon, il y a les punches. On peut utiliser les punches. Et évidemment, la tête. Parce que nous, la tête est plus basse. Donc évidemment, si quelqu'un rentre ici, on peut toujours taper avec la tête. Une dernière chose qui me paraît très importante, c'est que quelqu'un vous donne un coup de poing. Vous ne pouvez pas l'éviter. Donc il vous tient la main. Vous voyez? Il vous tient la main. Et ben, il faut l'ouvrir la main et sortir. Ouvrir la main et sortir très rapidement. Vous voyez, quelqu'un vous tient la main, vous sortez rapidement. Vous sortez rapidement. La vitesse peut jouer en votre faveur. Voilà. C'est pour aujourd'hui.
Alors, ça c'est le fauteuil qui tue. Allez. Ah oui, j'ai bien aimé. Alors, je vais vous mettre maintenant porter le tigre à la montagne, le temps que je termine l'installation. Et puis alors, à tout de suite. Alors, Anglais Opéra, c'est parti. Ça, c'est le premier mouvement du deuxième cycle, c'est porter le tigre à la montagne, fait par quelqu'un d'autre. Tout de suite. Voilà, son. Ah, bah il faut le faire démarrer quand même. Ah, allez, encore une minute. Did you catch that? You may have missed some of it because I was turned away from you. Because this movement has a huge 135 degree angle turn to step into a corner almost behind you. Let me do this one more time, starting facing away the way I normally would have. Normally, you would be behind me following along in class, and so this is the view that you would get. Of course, if you were following me, then you'd be turning around too. Anyway, here's where we begin, crossing hands. Pile on time, le pini. 11h00, vous avez vu le coco suisse? Hein? Ça vous dit? Et push, et push, et push, et push. Et maintenant, Let's demi-tour. break Moi, this ce que down. Now, carrying the tiger to the mountain has je sais four pas si vous parts, parlez anglais, just like seizing the sparrow's tail has mais moi, je four trouve que parts. bon, il parle beaucoup et tout, et puis ben, il parle anglais. Bah, Let's break it down piece by piece. So, I'm going to do this mirror image to you. Voilà. Au revoir, monsieur. Merci pour votre démonstration de porter le tigre à la montagne. Alors voilà, bah c'est lundi matin, début de la semaine de Tai Chi, début de la semaine des exercices. Hier, c'était grasse matinée pour tout le monde, y compris pour moi. Donc ce matin, il faut se remettre en route. Ce matin, vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire, donc, j'ai pas fait l'enchaînement samedi, j'ai pas fait l'enchaînement dimanche, donc là, fait 48 heures sans enchaînement, et c'est bien de pouvoir repartir après 48 heures, donc sortir de son automatisme un moment dans la semaine pour re-rentrer dans ses automatismes. Petite info personnelle, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. Si je suis habillé là en pantalon de sortie civile, c'est parce que ce matin à 9h, j'étais faire une prise de sang là, ouais, c'est ce que je dis, voilà, petit machin. Donc c'est bon, ce matin je suis hyper réveillé. Allez. Alors, porter le tigre à la montagne, c'est la première figure du deuxième cycle. Mais avant de faire la première figure du deuxième cycle, vous savez, comme j'aime bien faire, j'aime bien revenir à la figure d'avant. La figure d'avant, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle, je vous ai mis un petit mot ici, la fermeture apparente. La fermeture apparente. C'est un exercice qu'on peut faire, qu'on entraîne comme d'habitude, d'abord avec les bras, et puis ensuite, on va l'entraîner directement, enfin, on va l'entraîner après avec les pas. Qu'est-ce que la fermeture apparente? La fermeture apparente, c'est lorsqu'une fois le bras. La fermeture apparente est la suivante, c'est que non, non, c'est quelqu'un qui vous attrape par le bras et vous avez la possibilité, voyez, de vous dégager. Maintenant,
on prend l'autre bras et on dégage l'autre bras. Ensuite, vous avez une autre possibilité, c'est de dégager le bras depuis dessus. Évidemment, après, on renvoie. Ou alors, le bras depuis dessus, ça fait... voilà. Donc, au moment où vous avez dégagé le bras, les deux mains reviennent. Donc, peu importe, d'un côté ou de l'autre, les deux mains reviennent. Et on repousse. Voilà, c'est repoussé. Ce qui veut dire que maintenant, on va amener la main devant. On détend l'épaule. On détend un tout petit peu le coude. Et ensuite, le mouvement à faire est le suivant. Vous tirez l'épaule en bas. Hein, vous descendez et vous tournez le poignet. Ça, c'est le premier mouvement à faire. Et si je mets également la main sur l'épaule, c'est parce que on sent les mouvements. Ça, c'est le premier mouvement. Et comme les mouvements au tai chi sont toujours synchro, quand une main monte, l'autre descend. Si une main recule, l'autre avance. Là, on recommence. Et à ce moment-là, c'est les poignets qui tournent. Et on peut recommencer. Les poignets tournent. Et on recommence. On peut le faire dans l'autre sens. N'est-ce pas? Hop! Les deux mains reviennent et repoussent. Et quand on repousse, deux choses. On pousse avec la paume. Toujours c'est mental. On pousse avec la paume. Et vous avez le coude qui est un petit peu arrondi, un petit angle, et l'épaule bien en bas, et vous poussez. On sent, le mouvement vient tout seul quand vous baissez l'épaule. Et c'est comme si vous vouliez remonter un petit peu. À la fin, vous devez remonter un petit peu, et vous sentez l'épaule. On peut faire la même chose avec la main gauche. On va changer de main, ça revient. Et là, vous poussez tranquillement. Donc là, on va pousser tranquillement. Et ensuite, sur le retour, on tourne la main, le poignet. On pousse et on retire le poignet. C'est à ce moment-là que la main droite vient se positionner pour... Une fois de la main, on se détache de la main gauche qui est prise. Et là, maintenant, on va se détacher de la main droite qui est prise. Et il y a ce mouvement. On peut le faire soit dessus, soit dessous. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les mains, les pouces qui ne traînent pas. Lorsque vous montez, c'est comme si vous enfonciez un coin quelque part. Et bien sûr, où ça devient intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le mouvement doit aussi être circulaire. Tout en harmonie, en circulaire. Puisque le bassin tourne, la taille accompagne le mouvement. Et là, vous retrouvez dans la main droite qu'elle passe dessus ou qu'elle passe, enfin dessus ou qu'elle passe dessous. Vous avez ce mouvement circulaire et cette force centrifuge qui entraîne la main lorsque vous lancez le mouvement qui revient. On y est. C'est pas mal ça aussi. Voilà, maintenant, comment on va aller faire le tigre à la montagne, tranquillement, on va se souvenir comment sont les bras. Les bras, c'est simple. Vous
préparez votre main droite et vous l'amenez devant vous, tout simplement. C'est le départ de plusieurs mouvements, mais c'est un mouvement que vous devez maintenant apprendre à avoir. Il doit être agréable. L'angle ici fait que vous n'avez pas trop de poids dans le coude et que ça ne tire pas trop sur l'épaule. Ensuite, on prend la main gauche. Et la main gauche, on vient la mettre sur le poignet. Ensuite, la main gauche descend. La main gauche continue. On la regarde, on la regarde. Et quand elle descend, le poignet tourne. Et quand le poignet est tourné, les doigts se creusent. Le poignet tourne. Et la main revient. Et on va brosser le genou. Pendant ce temps, la main droite, elle va appuyer. On reprend. C'est très simple. La main droite devant vous. Comme pour l'essuie-glace. Vous voyez, il y a peu de déplacement avec le coude. Ça, c'est parce que l'épaule est détendue. Vous faites la main droite. Là, on est bien sur un plan horizontal. On reprend la main gauche. La main droite. Et on va mettre la main gauche dans le poignet. Sur la descente, la main descend. Et ensuite, la main s'éloigne. Et on suit la main du regard. Ce sera important pour l'équilibre. La main revient. Et on a brossé le genou. Oui. Allez, une dernière fois, juste pour le même technique. Trois fois, c'est bien. Et j'ai débunké quelqu'un. Il a dit, cet exercice-là, il faut le faire 20 fois. À peine il a dit 20 fois. Ah, j'ai changé. Non, 20 fois. Et la main droite qui vient devant. La main gauche, poignet contre poignet. Et on porte le petit tigre. Là, il est là. Sur la descente, la main descend. Sur la descente, la main descend. Ensuite, la main quitte le coude. Le poignet tourne. Et la main revient. Ah non, non, ça va. Bonjour, Vera. Non, non, ça va, alors il fait pas froid, on a mis le gros chauffage, c'est grand soleil, regarde. Ah, c'est pas mal aussi quand même. Ah oui, c'est pas mal aussi, quand il n'y a pas la caméra directement dessus. Et là, lorsque vous descendez avec la main, il faut bien tourner le poignet, hein. C'est important pour avoir la main, comme on dit, face au ciel, face au soleil. La main revient. On avait la main qui revient. Ça, c'est le ballon. Et ensuite, la main repart. En avant. Donc, maintenant, ce qui est intéressant. Ah, ouais, non, ça fait trop. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va le faire également. Et puis là, on a la possibilité de mettre les pieds. Alors, attends, on va y aller comme ça. Faut revenir, faut sortir, aller dans l'opéra. Pour porter le tigre à la montagne, un petit instant, on va faire comme ça. Ah ouais, parce que là, normalement, je devrais pouvoir arriver à mettre les pieds là. Si tout se passe bien, si on est bien. Je vais m'enlever ici. Allez, vous allez voir ça. On va mettre les pieds. Comme l'autre fois, on a eu un petit peu de soucis avec le. La caméra, mais maintenant c'est. Hop, ah ouais, c'est réglage en direct, hein, ma foi. Hein. On va encore enlever le son. Oh, ici, c'est pas mal. Hein. Ah.
Eh oui. Hop. Ça va comme ça. On va porter le tigre à la montagne. Hein, on va tous porter le tigre à la montagne. Bien, bien, bien. Maintenant, on va mettre comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Et la maison de reculant ne vaut aucun sacrifice. Bien. Le top, tu fais attention à ton genou gauche. Hein. Parce que le mouvement qu'on va faire, il concerne la jambe gauche. Alors, il faut gentiment se mettre en route. C'est bien, ça m'empêche de parler trop fort. On se met gentiment en route. On fléchit un petit peu les genoux. Alors maintenant, je vais faire les pas. On a vu les bras. Maintenant, on fait les pas. Et après, vous pourrez voir les deux en même temps. Attends, on va faire comme ça. Voilà, priorité au pas. D'abord, on descend sur la jambe gauche. Une poussée, ça soulève le pied. Le talon reste au sol. Ensuite, on descend, on plie le genou droite. Ça fait tourner le pied. On met le pied dans l'angle, donc pas à 90 degrés, ni à 30 degrés. C'est ce qu'on appelle, pour se souvenir, les orteils se regardent. À ce moment-là, vous êtes bien sûr tout le poids sur la jambe avant droite. Là, vous poussez, il faut une poussée. Voilà, vous arrivez à pousser, il faut une poussée pour décoller le pied. Et le pied va reculer et se poser ici pour pouvoir faire les quatre forces. Pardon, ici on a donc brossé les genoux. Voilà, c'est parti. Je préfère l'inverse, moi, je suis désolé, je préfère me voir comme ça. Alors, on va porter le tigre à la montagne. On a bien de l'espace. Hein. Vous avez compris maintenant le mouvement de départ. On descend sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe gauche. Le bassin tourne. Et on descend sur la jambe droite. On le fait une fois. On exagère un petit peu le mouvement. On est en face et on descend. Vous avez compris, c'est à ce moment-là qu'on va faire la poussée. On est prêt ? Alors, descendre sur la jambe gauche. Et là, en même temps que la jambe descend, oh. Mais oui, porte. Et ensuite, c'est sur la poussée de la jambe gauche que le bras descend. Et, je me suis embrouillé. Je vais trop long, je vais trop vite. En fait, c'est-à-dire que maintenant, le pied. Oui, je sais pourquoi. J'ai pas tourné le pied. C'est parti. On descend sur la jambe. Ça pousse. Et c'est à ce moment-là que la jambe. Que les genoux fléchissent. Et c'est sur la poussée que la main s'en va. Et sur le retour, c'est équilibre. On prend bien l'équilibre avec la main en avant, on recule le pied. Et au moment où on va poser le talon, on pousse et on broche le genou à droite. Ensuite, les pieds ne bougent plus. Donc, si les pieds ne bougent plus, on va voir en haut. Brossez genoux à droite. Ça veut dire les quatre forces. Tirer. Presser. Dévier. Revenir.
est repoussé. Là, on est dans l'angle. Hein. On est dans l'angle. Ensuite, on va maintenant mettre le poing sous le coude. Ici. Ah. Attends, il faut revoir les pieds. Ah ouais. Ouais, ça c'est bestial. Je refais. Pousser. Hop. Descendre sur la jambe droite. Pousser. Hop. Venir. Une main monte, l'autre descend. On place le talon. Et on va venir brosser le genou à droite. Ensuite, ça tourne. On va tirer. Presser. Et repousser. Et maintenant, on va aller faire le fameux poing sous le coude. Les orteils se regardent. On transfère le poing sur la jambe droite. On est toujours en équilibre. À ce moment-là, le talon se pose. Et là, vous allez devoir faire une bascule. Donc, on continue de s'enfoncer sous terre. Lorsque ce pied-là, ici, vous avez la bascule. On ne peut pas aller plus que dans ce sens-là. Donc, il y a cette fameuse bascule. Au moment où on décolle l'autre, celui-ci vient se mettre dans l'angle, se pose. On continue de descendre. Ça soulève le pied droite. Et sur un tourné du bassin, on vient poser la pointe. Et là, on se retrouve au poing sous le coude. Pourquoi on est au poing sous le coude? Parce que après, vous allez avoir reculé le singe. Là, vous appuyez, partez, ça tourne, vous suivez la main, ça revient, on place le pli arrière, et au moment où ça tourne, la fameuse bascule, hop! Et le pied droit tourne sur la pointe. Et ainsi, on va le répéter 3 fois. Allez, allez, je vous mets un ou deux passages. Là, je commence juste à avoir soif, c'est tout bon. Non, mais c'est ça en fait, c'est avoir, pouvoir faire ces déplacements dans l'espace. J'avais déjà expliqué une fois, le geste le plus simple pour s'amuser dans ces cas-là, c'est quand même le demi-tour. Ah bah oui, s'il y a des nouveaux, ils vont peut-être une fois comprendre le demi-tour. On va rigoler comme ça. Si maintenant, je veux faire un demi-tour dans ma caravane, je suis là. Je veux aller sur le lit. Je dois faire comme ça. Allez, j'exagère un peu. Voilà, Charlie Chaplin. Bon. Autrement, j'ai une deuxième manière de le faire. Je suis là. Puis j'ai un, et je me tords pour faire demi-tour. Ça, c'est tout ce que mon médecin ne veut pas que je fasse. Donc, j'ai appris à la longue à faire demi-tour. Pied gauche ou pied droit en avant, c'est égal. Moi, mon pied d'appui, c'est le pied droit. Il est sur le pied droit. Alors, moi, pour faire demi-tour, j'investis le pied avant droite. Je fais la petite poussée qui soulève mon talon, enfin mon pied, en gardant le talon bien au sol. La poussée de la jambe gauche fait tourner mon bassin. Et lorsque les orteils se regardent,
je descends sur la jambe droite, donc je fléchis le genou droit, et ça fait tourner le pied sur le gros orteil gauche. Sur la montée, j'avance, et ensuite j'investis. Et j'y suis, et ensuite il ne me reste plus qu'à remonter pour ramener le pied. Alors là, évidemment, je vous l'ai fait version lente, mais imaginez-vous que ça va très vite, hein. C'est-à-dire que si on fait comme ça, j'arrive là, je fais hop, 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 et je suis déjà de l'autre côté. Je vous le refais. Il faut faire demi-tour dans un petit espace. Comment on fait? Descend sur la jambe droite, poussez, ça tourne, les orteils se regardent, descend sur la jambe, poussez, posez le pied, descendre, investir, et c'est reparti. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le tai chi, il y a du boulot. Hein. Est-ce que tout va bien, les amis? On a réussi à garder un petit peu de... Hein? Comment? De genou gauche. Un peu de, oui, un peu de genou gauche. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre un petit peu en avant. On l'avait déjà vu une fois lors d'une capsule, mais j'ai décidé ce matin que j'allais le refaire. La forme s'appelle l'aiguille au fond de la mer. Ça vous dit quelque chose? Oui, non, peu importe. J'ai envie ce matin de me faire l'aiguille au fond de la mer. Alors, l'aiguille au fond de la mer, je vais vous la faire tout de suite, comme ça, il n'y a pas de suspense. Vous êtes parti? Alors, enfin, vous êtes parti, vous êtes prêt à regarder, de toute façon, c'est moi qui suis parti, c'est pour vous. Il y a la grue blanche, j'ai tous la grue blanche maintenant. Droite, droite, gauche, droite. Et là, je vous ai toujours dit, vous descendez sur la jambe, vous prenez le champignon là, qui est là. Hein, chacun a son point de repère. Là, moi, j'ai mon champignon là. Je ramasse mon champignon, ce qui m'oblige à descendre avec le genou droit jusqu'à la bonne hauteur. Et ensuite, on brosse le genou, ce qui veut dire, je refais, droite, gauche, droite, champignon, descendre sur la jambe, poser le genou, enfin, et brosser le genou, pardon, à gauche. Ça, c'est ce qu'on a vu au premier cycle. Maintenant, au deuxième cycle, au lieu de brosser le genou à gauche, le geste, il est tout simple, comme d'habitude. Vous faites comme ceci. Les pieds sont importants. Vous pouvez voir, je vous le mets maintenant avec les pieds en grand. Ah. Parce que vous avez la grue blanche, vous avez la grue blanche, donc c'est-à-dire le pied droit là est sur la pointe. Je devrais le faire comme ça, un petit peu de côté, voilà, sur la pointe. Et maintenant, lorsque vous faites droite, gauche, voyez, descendez, le pied tourne. Oh, lorsque vous ramassez le champignon, vous êtes plus bas. Et sur la montée, posez le pied. Là, vous êtes complètement sur la jambe arrière droite et la poussée fait que vous brossez le genou. Et maintenant, reprenons le geste. Au moment où vous prenez le champignon, vous n'allez pas mettre le pied à plat, mais vous allez mettre le pied sur la pointe. Comme ça. Là. Et au lieu... Maintenant, vous allez descendre, et vous allez descendre le mieux possible. On lève la main. Voilà. Ah, je commence à avoir la jambe gauche, droite, là, la cuisse droite.
qui est bien prise. Ben, c'est le but, hein. C'est le but. Alors, je me remets ici, et puis on peut même ravancer un tout petit peu si on veut. Voilà, t'as vu ça? Ça y est. Maintenant, ça fait 30 minutes que on se prépare à faire un mouvement comme ceci. Vous mettez au pas de l'arc, le pied gauche en avant. Et là, au moment où vous voulez brosser le genou, vous poussez avec la pointe du pied pour décoller le talon. Et ça vous fait comme un appui. Et c'est cet appui qu'on va utiliser pour venir avec la main bien à la verticale. Et l'exercice ici consiste à avoir le talon décollé et ici le pied à plat à 100%. Il ne doit pas être ni en avant avec le talon qui décolle ou la pointe des pieds. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que plus vous descendez sur le pied droit, voyez, et plus ça fait tourner le pied gauche. C'est le mécanisme du bassin et des hanches. Le but est de rester le pied bien face à vous et on peut descendre. Et une fois qu'on est descendu, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière de se sortir de cette position inconfortable. Je vais vous la montrer, c'est une nouveauté. Là. Vous êtes obligé de redescendre encore un coup sur le bassin droit. Ça veut dire droite. Et là, vous êtes sur la montée. Gauche, enfin, gauche-droite. Et là, vous avez une chose à faire, une poussée pour poser le pied. Et durant cette poussée, regardez ce que font les bras. Ils viennent se mettre et on investit. Ah, il y a encore à faire. Hein. Vous aimez bien le... Donc vous avez bien compris que cette technique qui s'appelle d'abord l'aiguille au fond de la mer et ensuite déployer l'éventail, ces deux figures qui se suivent, elles sont indissociables l'une de l'autre, mais nous on va les disséquer. On reprend. Le poignet tourne, on prend le champignon. Et là, au lieu de mettre le champignon, on met l'aiguille au fond de la mer. Droite. Gauche. Et... puis comme je suis en forme ce matin, je vais profiter... Puisqu'on a vu le demi-tour. Puisqu'on a vu le demi-tour, je vais vous montrer. Ça, c'est une prochaine figure qu'on va faire. Ça s'appelle se retourner et frapper avec le poing de haut en bas. Alors, je vais vous le faire une fois dans ce sens, comme ça vous allez avoir, et une fois dans l'autre sens. Parce que c'est ce qui nous fait faire justement le demi-tour que je vais vous montrer avec les pieds. Là. Là, on a donc déployé l'éventail. Poussé avec la jambe gauche. On reste sur le talon. Les deux mains. Et quand la main part,
on descend sur la jambe droite. Ensuite, quand on a investi la jambe droite, puis que la jambe gauche est placée, on investit la jambe gauche, et là, la pousser avec le pied droit, faire revenir les mains. Ensuite, là, la pousser, poser le pied, de lancer le point de haut en bas. D'ailleurs, on y est, lancer le point de haut en bas. Maintenant, je vais vous le faire de face. C'est pas plus simple. Enfin, de l'autre côté, de face. Vous avez déployé l'éventail. Poussez avec la jambe, ça décolle le pied sur le talon. Hop. La poussée fait revenir le tout. Poussée faible avec le pied qui le fait décoller, qui l'amène. Qui l'amène. Montez le point sort et en même temps sur la descente. Le point se met et on investit. Et la suite, c'est on investit le pied droit. On tourne. On met en avant le pied gauche et on va donner un coup de poing. Et c'est là où on se retrouve avec notre fermeture apparente. Du début de la journée, de l'exercice de ce matin. Toujours au pas de l'arc, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'ai bien compris qu'on était, voilà, on est à la fin, on est ceux qui avons, on a compris le sens profond. Oh, je me suis raclé hier en me rasant. Vous avez vu, je suis tout rasé, hein. Un petit coup d'eau. Et puis donc, c'est les 36, après cet échauffement, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est un petit enchaînement de quelques minutes. Ah non, Niki, t'arrives trop tard. Oui, bah, il reste encore 10 minutes, Niki. Bienvenue. Ah, j'ai fait souffrir le genou gauche au top ce matin. Et si ça fait ça, c'est qu'on tourne toujours. Il y a toujours un mouvement circulaire quelque part. Il y a toujours un mouvement circulaire quelque part. Même s'il a l'air comme ceci, en fait, il peut se transformer très rapidement en un moment. Oui, Niki. Oui, je suis en caravane, bien sûr. Ça fait maintenant 6 ans que je vis en caravane. Donc effectivement, pour faire ces exercices du matin, le tai chi, pour moi, c'est l'idéal. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde arrive, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse avec les bras ou je fais mon enchaînement? Ouais, je fais mon enchaînement parce que 3 jours sans enchaînement. Alors, on va se mettre en position. Et puis pour ceux qui me rejoignent au moment... On va donc répéter, on va dire, les bases du premier cycle, tout simplement. On va mettre les pieds, comme ça on va pouvoir voir comment ça se passe. Ouais, ça c'est la nouveauté depuis quelques jours. Il y a possibilité de montrer les pieds en même temps que les mains. Alors,
m'agace un peu la musique, ça finit par me crier mes oreilles. Alors, on est obligé. Alors écoute juste, parce que t'es au bureau. On doit juste se reprendre, on va dire, ce que je dis toujours, moi, c'est les fondamentaux. C'est-à-dire, après 48 heures sans enchaînement, reprendre les fondamentaux qui sont. On laisse 80 cm sur la droite pour pouvoir faire le premier pas, qui va être celui-là. Le premier pas, donc, c'est mon pied droite qui pivote sur le talon et qui va aller se poser au ventre. Ensuite, il va y avoir des montées et des descentes. Ça monte, ça descend. Ces montées et ces descentes sont rythmées. Inspiration, expiration. D'où pour moi la difficulté de parler, d'expirer, d'inspirer. Ensuite, n'oubliez pas encore une chose, c'est que les genoux font vraiment office d'amortisseur. Les genoux ne donnent pas de direction. Les genoux sont là pour amortir les mouvements de la taille du bassin. Elles sont là pour retenir la descente sur la jambe concernée. Puisqu'ici, vous avez la gravité en rond. Le but est de lutter contre la gravité. On empêche la descente rapide. Et maintenant, on doit lutter à l'inverse, qu'on doit s'arracher. Donc là, il y a une poussée, il y a un effort qui se fait avant de redescendre sur l'autre jambe, et ainsi de suite. Voilà, les sensations sont là, l'enracinement est là. On va pouvoir commencer par le commencement, une poussée, une descente, les poignets se plient. Une montée, les mains s'éloignent. Sur le retour, la descente, les poignets se tournent, les coudes se plient, les mains prennent le ballon et emmènent le ballon. Le ballon se met sur la montée. Et là, on est sur la montée, on va aller saisir la queue de l'oiseau tout de suite. Pousse avec la jambe gauche et ainsi on va pouvoir aller saisir la queue de l'oiseau. La main vient. On fait le pas, on marque. Sur la descente, on plie le genou droit, ça place le talon gauche. On est bien au sud-ouest. On pousse avec la jambe droite et ça fait avancer, tourner. On se retrouve à Paris. Depuis Paris, descendre sur la jambe avant droite, gauche. La jambe avant droite revient sur la montée. On pointe avec le gros orteil. À l'inverse de tout à l'heure, on fait l'opposé plutôt. On descend, on tourne le bassin à gauche. Ça entraîne le talon. Et sur la poussée, on investit le pied. Et maintenant, on va pouvoir faire les quatre forces. Tirer. Presser. Revenir bien en face à l'ouest. Repousser. Et maintenant, on va partir à l'est faire un simple fouet. C'est là où on fait notre premier demi-tour. Une fois, les gros orteils se relèvent. On a tapé dans la cible au sud-ouest, au sud-est. Sur la montée, le bras descend. Lorsqu'on pose le pied gauche, les mains. Et on termine avec un simple fouet. Descend sur la jambe avant droite. Gauche, on pousse pour aller à droite. Et là, vous retrouvez le geste qu'on a vu ce matin. Et sur la poussée du pied,
les deux poignets tournent et on est à lever les mains. Lever les mains maintenant, on va retourner à l'est à la grue blanche. On descend, on monte, le poignet tourne, les deux orteils se regardent, on pousse, on descend et on tape la cible au nord-est pour la grue blanche. Sur la poussée, tout monte, tout monte, tout monte, là on tourne le poignet, on a vu le geste, tourner le poignet, ça fait monter tout seul le bras. Ensuite, droite, gauche, droite, droite, gauche, le poignet tourne, hein. Gauche, droite, le champignon en posant le pied, la poussée est là, on a brossé le genou, à gauche. Le pipa, on descend sur la jambe gauche, ça ramène le pied droit. Poussé sur la jambe gauche, descend sur la jambe droite, talon, pipa. Talon, pipa, pipa, talon. Pipa, talon, talon, pipa. Bon. J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Hein. Alors, Niki, toi, tu fais quoi? Tu fais du yoga? Je veux bien prendre 2 minutes de plus. Hein. Tu fais du yoga, Niki, c'est ça? Alors, moi, je fais pas de yoga du tout. Hein. Mais chacun son truc, justement, le but c'est de trouver des choses qui nous plaisent, qui nous conviennent et qui nous correspondent. Et qui nous font du bien, chacun avec ce qu'on veut. Il y en a, ils aiment aller taper dans un ballon, ça s'appelle des boxeurs. Bah, 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 bah. Moi, c'est pas mon truc. Allez les amis, vous savez bien que j'aime pas faire trop tard. Moi, quand j'ai terminé mes 45, c'est les 45. 11h, c'est 11h, 45, c'est 11h45. Merci pour votre participation les amis, vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis de plus en plus motivé, surtout que maintenant le soleil arrive. Et puis, allez, je vais faire un pronostic. Dans une semaine, on fait le tai chi dehors. Bon, on vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon appétit, un bon après-midi. Merci à tous d'être passés, vraiment, c'est super. On est une très belle équipe, puis j'espère qu'on va durer longtemps. Profitez de cette belle journée et à plus tard. Bye bye les amis, à demain 11h quoi qu'il arrive.